Coucou les amis, je suis très contente de vous retrouver pour un nouvel épisode de l'Apocalypse Challenge. Alors, je souris, mais en vrai, à l'intérieur, je pleure, hein, parce que si je vous fais un petit résumé de la situation, je vous le rappelle, Dina est malade. Elle est atteinte d'une maladie mortelle contre laquelle je n'ai pas de solution. Enfin, j'en ai, mais qui ne sont pas autorisées à ce stade-là du challenge. Donc, elle va mourir, c'est sûr, elle va mourir. Comme malheureusement elle n'avait eu qu'une seule grossesse jusque-là et que moi j'avais prévu de faire au moins 3 enfants sur cette génération, je me suis dit que j'allais la faire tomber enceinte et croiser les doigts pour que potentiellement elle ait le temps de nourrir cet enfant avant de mourir et qu'il tienne jusqu'au passage bébé. Bon ben, à partir de quand son père pourra prendre le relais donc. Je sais d'expérience qu'on peut laisser un bébé sans manger pendant 24 heures. Dans le jeu, hein, bien sûr. Parce que dans la vraie vie, non. Mais dans le jeu, on peut passer 24 heures sans nourrir un bambin avant qu'il soit enlevé par l'assistante sociale. Ça va être court. Ça va être court, court, court. Mais j'y crois fort, fort, fort. Voilà. Elle va nous pondre le petit dernier. On va s'en occuper, il va survivre, on lui expliquera que sa mère, elle est morte pour la bonne cause, et voilà. Je sens que ça va pas se passer comme ça, et vous le savez aussi. On est parti! Alors, tant qu'elle est enceinte, elle risque rien. Voilà, elle est empoisonnée, il reste 24 heures. Et dans 24 heures, elle aura pas accouché, elle va passer au deuxième trimestre dans 24 heures. Donc, elle est qu'au tout début de sa grossesse, il lui reste 3 jours, elle va accoucher, elle va mourir en fait. Je suis même pas sûre qu'elle arrive à le nourrir une seule fois, cet enfant. On va pas y arriver. On va pas y arriver, je suis dégoûtée. Oula, mon Dieu, mais pourquoi tu es dans cet état? Bon alors aujourd'hui, j'aimerais bien qu'on aille au moins jusqu'à la naissance de ce divin enfant. Alors, j'ai un petit espoir. Qui pourrait nous sauver? C'est que si sa mort intervient, enfin si la fin du bœuf qui donc annonce sa mort, intervient au moment où elle est encore enceinte, vu qu'elle ne peut pas mourir en étant enceinte, je me dis que peut-être, potentiellement, ça peut annuler le bœuf. Moi, je vois que ça. C'est mon seul espoir. Là, j'en suis là. Je me dis que si c'est le cas, c'est bingo. Qui s'ennuie, moi, je pense que faire crac-crac quand on est enceinte, c'est un bon plan. Parce qu'après, il va faire ceinture jusqu'au reste de sa vie. Donc... Oui, 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 on en est là. On en est à profiter du fait que le malade soit encore en vie pour coucher avec. Alors, Angelo est parti au travail. Toi, ça va pas mieux. Hein. T'es, en fait, la meuf qui espère que ça va s'arranger tout seul, tu sais. Genre, peut-être, les bœufs vont disparaître. Tu te lèves et t'as faim et c'est déjà périmé. Oh, mais qu'est-ce que ça périme vite quand même, bordel. Ah tiens, on a pas été voir les factures, là, maintenant qu'il y a le... Ok. Bon, enfin, ça reste raisonnable. Ça nous charge, je dis donc. 8h. Alors. Totalement empoisonné. Franchement, il vaudrait mieux parler à un salvadorien pour obtenir. Sinon, ça va mal finir et bientôt. C'est simple. Hein. Ou le bœuf s'en va et on est tranquille. Ou elle garde le bœuf en attendant jusqu'à ce qu'elle accouche et elle meurt en accouchant. Elle meurt en. Dina, où es-tu? Allez. On va devenir meilleure amie. Ça va être encore pire quand elle va mourir. Oui, je suis comme ça, moi. Écoute, il a tellement attendu celle-là que savoir qu'elle va mourir comme ça direct, c'est quand même hyper moche. Enfin, je veux dire, on l'a attendu 7 épisodes. Hein. On a attendu 7 épisodes, on en profite pendant 4 épisodes. On a passé plus de temps à l'attendre et à la chercher qu'à en profiter. Hein. Et on regarde ce que devient ce fameux bœuf. 5, 4, 3, 2, 1.
Alors celle-là, elle pourra le dire, sa grossesse lui a sauvé la vie. C'est bien ce que j'espérais. C'est-à-dire qu'en fait, le bœuf qui aurait dû la tuer, étant arrivé à un moment de sa vie où elle ne pouvait pas mourir, le bœuf a disparu. Donc elle n'est plus malade, elle ne va plus mourir, elle va donc avoir un enfant qu'elle va devoir élever avec les deux autres en haut. Du coup, j'ai plus trop envie qu'elle ait des enfants, mais j'ai pas eu le choix. Ah putain, ça fait du bien, donc on nous enlèvera pas le gosse. Par contre, j'avais pas un berceau là, moi. Et bah, c'est où mon berceau? Je l'ai enlevé. Ah putain! Ah oui, alors je suis désolée, c'est de ma faute. J'ai pas triché ou quoi, je vais le remettre hein, où il était. En fait, j'ai un mode pour pouvoir mettre les bébés où je veux, pour pouvoir personnaliser un peu les berceaux. Et du coup, quand j'ai ce mode, les berceaux disparaissent. Donc c'est pour ça qu'il n'y a plus le berceau. Je vais faire une pause, je vais enlever le mode et revenir. Si le berceau a réapparu, voilà. S'il n'a pas réapparu, je vais remettre un là et un là-haut, mais je sais plus où il était, celui là-haut. Mais bon, bref, I'll be back. Oh, je suis trop contente, elle est en vie. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Donc nous avons le retour du berceau ici et normalement du berceau en bas, voilà, qui sont donc revenus à leur place. C'est bien ce que je pensais, ils étaient juste cachés. Voilà. J'ai eu un peu peur parce que comme j'ai pas le droit de les enlever ni de les déplacer, je me suis dit merde, ça se trouve j'ai encore fait une bêtise, mais non, non, non. Bon, Madina, si t'as la force de monter, de rouler jusqu'en haut, tu peux aller dormir. Regarde-moi ça, Madina, t'es presque dans le vert. T'es enceinte, tu t'es plus atteinte d'une maladie mortelle et t'as presque tout tes. Toutes tes mesures dans le verre, dis donc. Elle est pas belle, la vie? Moi je dis, il y a du progrès. Je me commence à maîtriser la peau. Je vais grave m'éclater avec trois gosses, mais. Vous avez de la chance, dans ce challenge-là, il n'y a pas réellement d'héritier. J'ai besoin de tous les enfants, donc je ne favorise pas un plutôt que les autres. Ce qui d'ailleurs me donne beaucoup, beaucoup plus de boulot, puisqu'il faut que je m'occupe de tout le monde, vu que j'ai besoin que tout le monde monte ses compétences. Et que tout le monde soit bien. Je ne peux pas en délaisser 12 pour en garder qu'un. Allez, vas-y, parle à ta fille. Tu maîtrises, je crois, le pot, toi, non? Ah, tu maîtrises, je vais pas faire. Les mouvements, c'est pas ça. Alors, vas-y, vas-y, continue. Allez, go. Allez, on essaie d'avancer un peu là. Parce qu'ils vont pas tarder à grandir, hein, ces enfants. Hein. Allez, 2 jours et puis on n'a pas fini. Hein. Alors, les filles ont faim et il n'y a plus du tout de fruits dans le machin. Il va falloir que Angelo aille nous chercher des fruits. Donc, le truc, c'est qu'avec les bambins, on en consomme vachement plus que. Bah, c'est ça, ça bouffe pas de périmée aussi. Puis, comme je peux pas leur faire manger les fruits directement, faut à chaque fois aller les cuisiner. Je vais en mettre un directement dans l'inventaire de la famille, le reste dans le coffre. Quoi? Imaginez 2 secondes si dans le même épisode je sauve Dina et je perds Angelo. Je suis en crise d'angoisse. Je suis en crise d'angoisse totale. Je peux pas appeler les pompiers. Je peux pas appeler les pompiers. Je peux éteindre le feu par contre. En espérant qu'il ne m'arrive rien. C'est le début de l'incendie, ça va le faire. Allez, vas-y, j'ai foi en toi. Oh, bon Dieu, tout a cramé. Bon, on a un peu d'argent. Et on peut remplacer les choses quand on veut.
J'imagine qu'il faut que je re-sacrifie un fruit. Bien sûr, bien sûr. Il reste 24 heures avant la naissance du prochain bébé. Je vais essayer d'accélérer et de condenser cette journée pour que ça fasse pas une vidéo trop longue et qu'on finisse quand même sur la naissance du troisième enfant. Oh, tu nous casses... Hein ? Le lavabo, oui, c'est ça, tu nous casses le lavabo. Attendez, j'aimerais tenter un truc maintenant qu'on peut. Oh, c'est tellement beau! Oh! Waouh! Oh, c'est beau, c'est bio. Oui, je sais que c'est bientôt l'anniversaire de Valentina et de Serena. Mais je suis pas prête. Ah, mais il travaille pas aujourd'hui, Jeannot, là. Qu'est-ce qu'il a? Pourquoi ça va pas dans ta vie? Je sais pas. Parce que c'est sale. T'as pas d'autre problème que ça, t'as l'impression. Tu as vraiment l'impression que le ménage dans ta maison, c'est le pire problème de ta vie. Ok. Oui, bon, on a compris. Il y a des, voilà, il y a des plantes dans l'évier. Edina, bah, tu vas aider ton mec à prendre du charisme. Non mais qu'est-ce que tu fais sur l'ordinateur? Non, je crois que t'es juste assise, mais quand même. Allez, au lit. Non mais le lit s'est passé, hein. Le menu annoncé, c'est la moquette. Moquette is a new bed. Je sais pas comment on dit moquette en anglais. Tapis, j'ai, c'est carpette, mais alors moquette. Ça se trouve en fait, ils en ont pas. Parce qu'il y a qu'en France qu'on met de la moquette, je sais pas. Regardez, j'en viens même demander s'il n'y a pas qu'en France qu'on met des rideaux, hein, puisque là-bas ils n'ont pas tout à fait la même notion. Hein. Allez, go. Cet épisode va être légèrement plus long que d'habitude. Oui, je le sens. Allez, Madina, normalement cette nuit c'est bon. T'accouches et on n'en parle plus. Eh, bon, je t'ai sauvé la vie avec cette grosse astuce. Est-ce que t'es capable de faire à manger sans foutre le feu? Et Dina, elle va aller dormir quelques heures avant de mettre bas de son troisième enfant et de marquer par ce fait la fin de cette vidéo. Oh! Il nous a pas prévenu! Bon, ben Angelo a vieilli, hein, on dit plus grandi à cet âge-là. Hein. Angelo a vieilli, c'est donc un homme dans la fleur de l'âge qui va être triste pendant 4 jours parce qu'on lui a pas fêté son anniversaire. Mais c'est pas grave, mon grand, parce que tu vas avoir un bébé, ça passe, non? Non, bon, d'accord. Ok. Ah, le travail a commencé. Eh ben, écoutez, on va la faire accoucher, puis ce sera la fin de cette vidéo. Allez, avoir un baby. Oh, lâche les bambins, on verra après. Oh, cette merveilleuse grossesse qui lui a sauvé la vie à cette femme. Ce bon moment. Mais écoutez, c'est sur cette magnifique image que nous allons nous arrêter. Ouais, c'est un petit peu de suspense, un petit cliffhanger. Pour que vous soyez obligés de venir dans l'épisode d'après. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous. On s'arrête là pour cet épisode. Rendez-vous donc là, dans un prochain épisode pour voir si c'est une fille ou un garçon, des jumeaux, des triplés, des quadruplés, un chien, un chat, un kangourou. On ne sait pas. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très très vite les amis. Ciao.